Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes là ce soir pour la première édition du JAI Event Show. Alors, à l'intérieur de cette salle, nous allons découvrir des modèles, des créateurs, des mannequins, beaucoup de partenaires. Alors, cette soirée-là, elle a pour but de vous ancrer dans le monde de la mode et de permettre aux créateurs de vous montrer leur savoir-faire. Bonsoir, bienvenue à la première édition du défilé JAI Events. Je suis avec Agnès, Daniela et moi c'est Anaëlle. Alors ici nous sommes les hôtesses d'accueil, on accueille les gens, on vérifie leur QR code et on leur donne des places en fonction de leur place. Il y a le VIP qui donne l'accès au buffet et au défilé, le standard qui donne l'accès au défilé et au cocktail. Et l'accès événement, juste pour voir le défilé. Alors, ce soir, il y aura un grand défilé avec les mannequins et des créations de stylistes. On peut encore acheter des billets sur place. C'est 50 euros pour une place standard plus. Et les VIP, c'est complet. Non, je pense que ça va aller. J'allais la tout gérer, même les stylistes, tout le monde. Franchement, les mannequins, ils sont au top. Et on a juste hâte que ça commence. Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Max, j'ai 21 ans. Bonjour, moi je m'appelle Stéphie et j'ai 18 ans. Bonjour, moi je m'appelle Jonathan. Bonsoir, je m'appelle Thomas et j'ai 21 ans. Alors après tant de préparation, franchement je me sens assez détendu quand même pour une première. Car c'est mon premier événement plutôt. La semaine ça a été, tout va bien, j'ai pas stressé et je suis excitée, j'ai hâte de faire ce défilé. D'abord merci à vous l'équipe, franchement ça fait plaisir de vous voir tous là. J'ai vu que vous étiez bien, vous étiez chaud bouillant, je compte sur vous déjà, hein, je compte sur vous parce que c'est important, vous savez déjà, merci beaucoup. Bah écoutez, après un an d'attente, c'est le jour J, j'espère que ça va très bien se passer. J'avoue il y a un peu de stress, mais bon je pense que ça va le faire, on va gérer, on s'est entraîné pour ça et on va tout déchirer. Bah en vrai je suis très content, il y a une bonne ambiance, on a passé une bonne préparation. Après j'avoue que plus les minutes passent, plus on sent la pression. Après j'espère qu'on va juste profiter et passer un bon moment avec l'équipe. En vrai de vrai, on est là pour abattre l'ennemi, tu vois. On est là pour abattre Jeffrey, tu vois. On est là pour abattre Jeffrey. Non, en vrai, on est là pour abattre, faut dire la vérité. Là en vrai c'est chacun pour sa peau, Dieu pour tous. Hein. En vrai... Lui aussi il est pas d'accord. Non, en vrai il fait semblant. Il sait très bien que s'il gagne, il va être content, il fait des blaires. Ouais, viens dire que c'est, voilà, non, il veut gagner. Attends. Non, on est une famille, on s'entend tous bien, voilà. Donc en vrai, voilà. La personne qu'on veut abattre, c'est, non t'inquiète. C'est parti pour le Fashion Show. Alors nous sommes ce soir à la Verrière 91, endroit réputé pour de nombreux événements qui y ont eu lieu. Et ce soir, comme vous pouvez le voir, nous attendons plus de 300 personnes. Ce soir, nous sommes en présence de 12 créateurs différents et à la fin seront élus les gagnants de cette soirée par les jurys. Daniela, nous souhaitons la bienvenue parmi nous. Je pense que c'est le centre. Merci.
Florence. Bonsoir. Ça va? Très bien. Toujours assez belle. Merci. Alors. Pas mal. Alors, mon micro, on m'entend bien? Vous m'entendez bien, très bien. Alors, pour me présenter, donc moi je suis Queen Stelina, je suis journaliste RFI, Biblack Africa, également productrice de mon show, le Queen Stelina Show, où je mets en avant des artistes émergents. D'où ma présence ici, puisque maintenant j'ai étendu mes activités à l'entrepreneuriat. Et ce soir, si je suis là, et j'espère que vous aussi, si ce soir vous êtes là, c'est, ça va au-delà d'un projet. C'est, ce soir, je suis venue tenir la main à une petite sœur. Elle a juste 21 ans. Elle a fait son premier événement, elle avait 17 ans. Cessons de parler de Black Excellence. Nous ne cessons de dire que nous voulons que la jeunesse construise notre avenir, que notre jeunesse représente l'Afrique. Alors ce soir, c'est ce que vous allez voir. Vous allez voir une jeunesse qui en veut, qui en donne, qui est prête à prendre le relais. Et surtout, vous allez voir du talent. Parce que au-delà de ça, vous allez voir des mannequins, des stylistes. Alors, vraiment qu'on démarre cette première édition, en tout cas de la Giant Fashion Show, avec une énergie, parce que moi, c'est ma petite tradition. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'énergie, la transmission. Et j'aimerais, avant que je n'annonce donc le lancement de cette première édition, un tonnerre d'applaudissements dans cette salle. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Non, là, on parle d'Afrique. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, sous vos applaudissements, et avant de donner la parole aux membres du jury, dont je serai la présidente ce soir, je déclare donc la première édition de la GIM Fashion Show ouverte. Merci à tous.
personnes qui souhaiteraient se rafraîchir, nous allons pouvoir prendre une petite pause à l'extérieur et on se retrouve dans 10 à 15 minutes. Venez prendre l'air, sortez un petit peu. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Exaucé, je suis mannequin chez Elite. Bonsoir à tous, moi j'appelle Tiana, je suis cofondatrice de l'agence Bombshell Agency. Salut, moi c'est Olivia, j'ai 19 ans et je suis modèle, rédactrice. Bon, après je fais beaucoup de choses aussi, du coup j'ai un peu de mal, mais voilà, c'est ce que je fais en gros. Concernant l'événement, vraiment je suis très très surprise, il y a beaucoup beaucoup de potentiel. J'ai vu des personnes avec, défiler avec beaucoup d'assurance, on dirait pas que c'est leur premier défilé. J'ai vu des créateurs incroyables, je suis vraiment estomaquée parce qu'on peut voir vraiment la signature de tous les créateurs dans leur tenue. Et vraiment, je pense que ça va être très 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 difficile de trouver les gagnants parce que c'est, ils méritent tous, vraiment. Alors pour ma part, je suis très honorée d'être ici déjà. Et concernant la première partie, c'est juste magnifique de voir la mode africaine mise en avant comme ça. Et pour le gagnant ou la gagnante, j'en ai aucune idée, mais il y a beaucoup, beaucoup de potentiel chez tous les mannequins. Voilà. Bah, franchement, elles ont tout dit. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on aura du mal. On aura beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et j'ai un coup de cœur, mais je ne vais pas le dire, maintenant. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour être membre du jury. Je suis très, très, très honorée et vraiment félicitations. On m'a dit que tu faisais des événements comme ça depuis tes 17 ans et vraiment tout ce succès, tu le mérites parce que c'est vraiment magnifique. Tout est bien structuré, les designers sont incroyables, les mannequins sont incroyables. Vraiment, tu mérites tout ce qui est ce soir, tu le mérites. Mais en tout cas, je répète ce qu'elle a dit, je suis très honorée aussi d'être ici. Et franchement, c'est la première édition et vraiment, c'est magnifique. Et hâte de voir la deuxième, la troisième, la quatrième et jusqu'à une centième. Bah encore une fois, elles ont tout dit, mais je pense que pour une première édition, sincèrement, c'est un truc de ouf. Je m'attendais pas à un truc aussi genre énorme, mais c'est vraiment un truc de ouf. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis étonnée. Alors bonjour à tous, moi c'est Queen Stelina, je suis journaliste RFI, Askif Radio TV et puis bien sûr BeBlack. Je suis également productrice de mon propre show, le Queen Stelina Show. Alors ma première impression, j'ai envie de dire un grand bravo, un grand grand bravo à toutes les équipes déjà, à toute l'organisation et surtout aux mannequins et évidemment aux stylistes. Ce soir c'est vraiment le talent à l'africaine, je suis tellement heureuse d'être la marraine de cette première édition. Enfin bref quoi, je suis toute émue en fait. Hein. Alors ma petite Jaël, mais que te dire à part bravo ma chérie. Je suis tellement honorée que tu m'aies choisie comme marraine de cette première édition et tu es la Black Excellence, vraiment la Black Excellence, tu es l'avenir, tu es la jeunesse et plein de bisous. Je pense que c'est le moment de prendre quand même une petite pause pour prendre un peu de l'air.